du chagrin. C'est loyer là quand on aime, en souffrir on s'ennuie. Oh, je vous le dis encore, vous allez bien du chagrin. Adieu donc, bien ma bien amie, on ne se quittera plus jamais. C'est beau ça. Hey, c'est une chanson ça. C'est pas de... C'est chanson de cabot. Allez, dire à mes frères qui viennent me secourir, en rejoignant ces paroles, et puis l'amour, c'est les trois frères à Bibi, et vive la fleur. Ah, oh, c'est ça. Bon, 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 bon. Non, tu le reste, vive l'amour. C'est ça. Ah oui, ça, c'est une chanson que ça vous rappelle de ça. Mais garder, écrire les mots, puis les garder, hein. Ça s'appelait Turquie, la chanson? Non, mais... Bon, je veux dire que là, puis il y a plus de Turquie. Mais lui, il quand il chantait ça, là, bon, on disait... Il va pour passer l'été. Pour y vendre, il n'y a qu'y vendre là, non? T'as non, il était à Forestville, oui. 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 Forestville, t'as fait un bon petit bout de terre. Oui, la première fois que j'ai vendu... Hein? 6 mois. T'étais 6 mois? Mon Dieu, ça s'est donc bien passé vite. Ah oui, mais elle peut pas partir de Port-Rosuel, là. Il me semble qu'il n'avait pas été si longtemps que ça, 6 mois. Mais moi, à ta place, moi, j'ai été à Châteauroux. Je m'avais fait une petite chanson. La première fois que j'ai voyagé, c'était à Châteauroux pour y vendre. J'ai pas fait pour qu'à voyage, une jolie fille me suis amourachée comme de la polonaise. Alors, un petit miracle, voilà, de vous l'aider. Parce qu'au format, je me suis adressé. À qui je comptais toutes mes secrets. Le forman m'a dit, mon petit fou, la petite fille n'est pas pour vous. J'aime cette petite fille comme j'aime mon cœur. Je sais pas ce que je donnerais, ça viendrait la mienne comme de la forme. Alors, petit Mireille, il parlait de vous, j'aime. Le forman me suis adressé. À qui je comptais tous mes secrets. Le forman m'a dit, mon petit fou, cette petite fille n'est pas pour vous. Je lui ai réparé des pendants d'oreilles, aussi des rouges, puis aussi de la dentelle, comme de la rail pour le dé. Tu me l'ailles par la douvraille d'un. Ça, je vois mettre ça. Pour ma mère, me suis adressé, à qui je comptais tous mes secrets. Le pour ma mère m'a dit, mon petit fou, cette petite fille, elle n'est pas pour vous. Quand son amère reviendra du bois, il la mariera, pourquoi tu restes trop là, comme de la rail pour le dé. Un petit village par le bras de l'œil. Un beau samedi soir, il y a eu un bal, j'ai été invité pour aller danser. En dansant, je l'ai embrassé, elle m'a donné son cœur, petit bout de moi, comme de rail pour le nez. Un petit village par le bras de l'œil. Tu veux que t'es bon, hein? Oui, c'est bon. Belle petite chanson, hein? Pourquoi t'es coulé sans ça? La belle, je la chante à. À Somerville.
Ah, c'était Thiel! Ah oui! Là-bas, je me suis acheté une pierre de d'Andrew. Dans ce temps-là, il n'y a pas de feu, il avait des essuies blancs. Je ne sais pas, il faisait ça avec du cuir mou, là. C'était des bottes blanches. Je ne sais pas que dans les cas d'animaux, ça apporte à l'époque. Mais ça voulait des animaux de mer, ça. Ce cuir-là, c'est des mou. Mais on était bien là-dedans. Trois pierres de bois. Et si vous. On était trois pierres de bois de laine. Ah, ouais! Il y avait des petits rebelles, des gommes rebelles, là, mais c'était... Des petits rebelles, prenez pas de problème. Pour travailler, c'était... D'abord, ça ne plaisait pas, hein. Ah oui, c'est ça. Ça plaisait pas pour tout marcher, ça, c'est pas... Pas comme les roses. Les Esquimaux, j'ai... Il y a des Indiens, là-bas, il y avait des boîtes à... Jusqu'au genou, là. Oui, d'ici. Mais c'est fait un numérage. Oui. Il y avait une boîte, ici. Eh, c'est bon. Tu fais pomper ça dans un cordeau, là? Pomper l'eau, puis je soignais les chevaux. Hein? Je traînais l'eau, puis je la donnais aux chevaux. Ah oui, c'est de l'estomac qui était le plus jeune de quatre. Fait que c'est moi qui faisais virer pour le beurre, virer le beurre, là, puis brasser pour la laver. Si, Paul! Brasser pour la laver. C'est tout le monde qui faisait ça. Puis, je prenais tout le plus jeune. Tu avais commencé à 8-9 ans, mais tu sais que ça veut dire. À 8-9 ans, tu travaillais. Hein? À 11 ans, je me suis engagé pour le ménage étable de leur côté. Il y avait 6 vaches, puis il y avait des taraudes, des moutons, des cochons. Il y avait 3-4 cochons, mais ils n'étaient pas dans le même étable, ils étaient dans une poche. Je voulais que je fasse ça. Puis j'allais gaulle. Je restais de leur côté. Qu'est-ce que c'est que tu as dit de quoi, là? C'est Gérard Gauthier, là, ouais. Il restait à la deuxième maison de la c'est à l'heure où j'ai passé là de coupe de bois. C'est un monsieur, parce que avec une jambe, je prends un coup, ça n'était pas une pêche. Ça a de l'homme, j'ai tout le temps travaillé, je restais là. 25 cents par jour, ou quoi? Il me donnait 50 cents. Il me donnait 75? Oui, 50 cents par semaine. Par semaine? C'était pas plus que ça. C'est vol, ça fait. J'avais 5 piastres pour un mois, moi. Cinq piastres pour un mois, puis je couchais avec la femme qui avait un bébé, c'est moi qui faisais la garde malade. Puis je couchais avec la femme, il avait soin du bébé. On était nourri. T'as fait là dans la rupture. Ben. 5 piastres pour un mois. T'as-tu pensé, là, comment que ça pouvait être, là? Vous étiez content? J'avais 11 ans, moi. Hey! C'est pas bon que vous êtes arrêté. Mon petit garçon. C'est une petite femme de rubé? Oui, on m'a senti jamais. Quand j'ai travaillé sur le rubé, là. Dans l'été, puis j'ai été travailler à Châteauvier pour dans l'hiver. J'étais pour avoir 16 ans au mois d'août, j'ai commencé à travailler là le mois de mai, ramasser des roches. Il y avait deux gars qui ramassaient des roches avec nous autres. On avait, là, par exemple, on avait 50 barreaux pour ramasser des roches. Il y avait deux gars qui étaient avec moi, puis ils ont été reposés. Parce que le soir, quand la gueule, ça sonnait à 6 heures, et on dit, il était 7 heures, on s'en va. Ça t'a arrivé, puis elle m'a été revenue, il n'a pas voulu le prendre. Moi, j'ai continué, mais j'ai ramassé jusqu'à 7 heures. Je ne sais pas, à un moment donné, c'est lui qui a venu me trouver. Il m'a aidé un peu, là, on a ramassé un peu de 7 minutes, puis là, il est dehors, là, il était 7 heures. Ben oui. T'as donné, puis là, on voulait tirer les vaches. Tout sur la maison. On a soupé 7 heures, 8 heures. Ça! J'ai fait tout le temps.
Ça faisait des journées de 14 heures. 14 heures, ça c'est mon temps. Puis quand je suis là le matin, moi, c'est moi qui me levais. Moi, les autres, lui, ils s'est levé tard le matin. Et moi, je me levais toujours de mon âge. Je m'approche super au se coucher. Je couchais à 8h30, 9h, jamais posé la terre. J'ai le malheur le matin. Et moi, j'allais chercher les vaches, je les emmenais. Puis soleil les chevaux, j'avais deux frères. Je préparais ça. Et là, je rentrais à la maison, je suis bonne, lève-toi, c'est le père. Quand ils s'élevaient, les autres, là, pourquoi ils s'élevaient, nous autres, on montait du troisième, puis nos vaches étaient tirées. Il y avait vu tirer les vaches, puis nous autres, nos vaches étaient tirées. Hey, j'ai dit, mon père était ma tirade, hein. C'était le matin, c'était le samedi. Mais les vaches étaient tirées à l'étable, ils étaient tirées pas au troisième. Non, on les tire au troisième. Ah, t'es tiré au troisième, n'est-ce pas? Tu sais qu'à l'école, on est au troisième. Quand vous êtes jeune, vous tirez au troisième. Ah oui? Nous autres, la première année qu'on est arrivé au lac, les vaches étaient au troisième, où elles disaient tirer juste un soir. C'est vrai. Après ça, on les a montées. Pas voulu, ils ont remonté. Ils descendaient à tirer les vaches au troisième parce qu'il y avait du bon package. Ouais. À tous les cas, ça me change un mot, ça me change. Moi, c'est quand j'attends parler, là, qu'ils sont donc fatigués. Ils ont plus un capé, les yeux sur le piton. Tout, ça se fait automatiquement, nous autres, qu'on faisait les lavages à la cuve. Trois bébés que je lavais à la cuve. Oh! C'est incroyable. Je sais pas. Ça me fâche qu'ils me mettent, en tout cas. En tout cas, tu as fait ça, mais aujourd'hui, matin, ils ont parlé, matin, ils parlaient justement de comment ça coûte 1 million. Pour faire garder les enfants, là. Les enfants ça va coûter terrible, là. Les garderies? Ils ne sont pas capables. Mais écoute-moi bien, il y avait des mères, là, qui viennent se promener dans le promenade d'un magasin. Je sais. Ils ont envoyé les enfants les faire garder sur la place. Mais ça vaut combien ça coûte? Des millions ouais. À la population. Tous les autres, Absolument. Ah, c'est affreux, ça. Ça, c'est terrible. Tu veux-tu démanger ça, lui? Il va couper là-dedans. Ah, oh, oui, c'est ça. Est-ce qu'il va couper? Ça, c'est le PQ qui a fait ça, la ministre du PQ, t'en rappelles? Le gars qui est venu me parler de la chose, hier, il est libéral, à mon dieu, hein, oui. Il a bougé. Ben oui. Puis il dit, s'il ne fait pas ça, là, il va faire. Il faut Blanchette, qu'il veut absolument qu'il coupe Blanchette. Absolument. Il dit, c'est des vols, madame, des vols cachés. Ben absolument. Hein? Il dit, bien-être social déguisé. Ben, tu l'es tiens ça, là? Il fait chaud au soleil! Il fait trop chaud au soleil! Ouais. Où c'est petit? Où? Un décide? Juste là. Ça pour une belle grosse arabe plus tard, Roger, là? Oui! Oui, on va s'en planter une. Oui. OK. Oui, t'as marqué.